Bonjour. Ma bouche est couverte. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous êtes au Ganga, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ok, parce que ma bouche est couverte, je sais pas. Bon, voilà. Tout ça n'attend Mingité. Juste un petit suivi avec. La rencontre entre Monsieur Corona et Monsieur Ebola au Bakutanaki Lobby. Non, c'était avant-hier. Parce qu'on attendait juste nos sources, va passer sur information exacte. Et comme il semble que Bazali est occupé. Et voilà pourquoi toujours qui tant y a et panabinoté lobby. Alors, la première des choses, je sais pas si je peux enlever ça hein, parce que je suis dans la voiture. Voilà. Donc, je disais que Monsieur Corona, alias Félix. Et Monsieur Ebola, alias Josephou, se sont rencontrés avant-hier. Avant cela, nous avions annoncé que Félix tentait à tout prix rencontrer Monsieur Ebola. Et Batebele, Bissot, qui est allé fake news. Je pense 2 jours avant. Alors. Ils se sont rencontrés effectivement, Tomoni Bafoto. Et ce qui surprend d'abord, il semblerait que M. Corona est le président élu, entre guillemets, et M. Ebola est le sénateur en vie. Donc c'est un sénateur. Comment expliquer qu'un sénateur vient rencontrer un président de la République et le président à la porte? Azozela président. Donc Azozela yamba président, ayamba sénateur plutôt, na porte. Na yebite, ce qui Monsieur Corona Azalina aza vraiment na protocole. Je sais pas ce qui ba yebi ba règle protocolaire ou anaso ba yebi yangoti. Un soi-disant président de la République, oyo abengisi, soi-disant abengisi sénateur. Et ayeko bima na porte yemoko azozela sénateur na porte. Bien au contraire, bata protocole nde bayamba sénateur bakotisa na katia bureau ya président. Mais non, c'est le président lui-même qui vient, qui sort de son bureau à la porte et en train d'attendre le sénateur. Bizarre. Ça ne se fait jamais au monde. Alors, la deuxième surprise est que Tomoni communiqué, compte rendu plutôt, il y a rencontre Nabango. Vous comprenez que Félix Azali Wana sur base de mensonges, et les mensonges continuent toujours. Compte rendu rencontre Nabango, ils ont dit pendant 4 heures, il y a échange. Entre les deux virus, donc Corona et Ebola, là juste kaka ya Corona. C'est vraiment mensonge. Moi, qu'on a habité même moi dans l'école gardienne, ce qui a connu quoi avaler pendant 4 heures, juste pour bas sur la ya Corona au Congo, en Afrique et au monde. Ma camionne au monde,
crise ni na corona ou Félix a comme ma réponse na monde, je sais pas. Même en Afrique, dans son pays même, dans son bureau même, il n'arrive pas à maîtriser ses corona. Alors, a fortiori, na Congo, na Afrique ou bien na monde, je sais pas. Ce qui va psychiatre bazali vraiment pour que Félix en réalité il faut ba me mailler ba ki nota na mutu na ye so ye zandengeni hein na kacha bureau na ye il n'arrive pas à maîtriser ses corona et Félix veut invite son boss pour que ba solo la makamba corona na monde en Afrique c'est pitoyable ça hein? Bon pendant 4 heures ils ont mensonge. Ils ont parlé en réalité, le problème du coronavirus, c'était une causerie juste introductive. En réalité, les deux virus ont parlé de problème de caméra. Problème de caméra, problème de la sécurité de M. Félix, donc M. Corona. Et puis, le problème du congrès. Vous savez, Mabunda et puis l'autre là, le criminel là, les génocidaires, Tambo et Mwamba, ont voulu convoquer un congrès. Alors, Monsieur Félix a pressenti que ça peut aboutir na destitution naïe. Alors, voilà, comment est-ce que Bomoni guéguerre entre cour constitutionnelle, présidence et puis la Kabylie. Le vrai problème, en réalité, c'était qu'il parle du problème de Vital Kamerhe. Effectivement, ils ont parlé de Vital Kamerhe et d'après nos sources, on nous dira que Vital Kamerhe sera libéré provisoirement, il sera placé en résidence surveillée et voilà. Alors, l'argument qui sera avancé que Vital Kamerhe est malade, alors il faut avoir soin, va placer dans la résidence surveillée. Ce qui est encore étonnant est que Bachéna résidence surveillée, il garde toujours sa fonction de directeur de cabinet de Monsieur Corona, donc Monsieur Félix. Wana ezali ndenge Congo na biso ezali, donc moyen tout s'étonner isusu na mboka na biso ezati. Mais la question qu'on se pose, parce que ce qui moutou, bah, qu'on place moutou na, babimisaye provisoirement, bah, tchaye na résidence surveillée, la question que nous posons, c'est notre argent. Alors, l'histoire qui va suivre après la libération de Vital sera que Félix a forcé pour que les kabylistes aussi soient convoqués par le magistrat, par le tribunal, non, par le parquet. Alors, comme ça, Togozala n'a pas de dossier de tous côtés. Na côté, il y a Félix, Vital est arrêté, bah, membre Moussousou, il y a Félix Bazali arrêté, et du côté Kabila aussi, quelques membres de la Kabylie seront arrêtés. Alors, Bakozala Siko devant un passouana et ça va créer un dialogue entre FCC et CACH. Parce que moi, bah, résoudre dans les athées. S'il faut arrêter les kabylistes pour détournement, seulement pour le détournement, c'est tout le monde qui sera arrêté. Alors, s'il faut arrêter les tshisekedistes pour détournement, c'est tout le monde qui sera arrêté en commençant par lui-même Félix. Même du côté de Josephou, c'est tout le monde qui sera arrêté, y compris lui-même Joseph. Alors, là, au cas où on donnait
une liberté, indépendance de la justice. Or, la liberté et l'indépendance de la justice chez nous ne va pas marcher. Alors, les semblants de justice oyobazo lakisabi bazo miroite biso, c'est juste pour le tshisekediste. Il faut les arrêter parce que détournement na bango, c'est comme de primerie, ba yebiko détourné té. Donc chez eux mbongo nyo sezo ya bazo détourné. Et avec cette histoire d'empoisonnement de Vital Kamerhe, Kabila avait décidé que Vital Kamerhe soit arrêté. Donc na batunyo so ya ba tshisekediste na ba milouvor oyo bazali ko bebi sabiso matoi soi-disant Fatshi Béton akangisi directeur ya cabinet na ye okangisi directeur ya cabinet na yo mais otiki est toujours directeur ya cabinet na yo il travaille toujours na kata prison donc omoni ke il a détourné corruption vous les faites arrêter et au même moment vous les gardez toujours directeur de cabinet au même moment vous les laissez dans sa chambre de la prison travailler. Je sais pas même nzambe yemoka kosa alikambwanati. Nzambe kosa alikambwanati. Donc seulement au niveau de Kabeyaka Mwanga ces histoires ekoyi kosa la mandengo wana. Donc le problème ezali que le deux camps ce qui batiki justice ndenge les Américains par exemple les occidentaux bazo pousser Félix qui attique à justice libre sala musala nango. Or les occidentaux, les Américains savent que ceux qui battent justice sala musala nango, Félix sera arrêté et Kabila sera arrêté. Excusez-moi, il y a les rayons solaires. Image nanga ils ont mon assoce bien témé. Je vais, on va en finir là parce que na zalanzela et voilà. Donc justice ceux qui sont indépendantes. Les deux virus, donc coronavirus, Félix et Ebola, Kabila, seront arrêtés. Alors, discussion à Bango, il y a avant-hier, était basée sur ça. Tout ça, l'andengenin, yo, kangisi Vital Kamerhe. Alors, n'a pas si on a l'obina kangisa bakabiliste, et qu'on s'en a juste bisognos to kangama. On va faire comment? On va libérer, Kamerhe, tout ça, l'assemblant, il y a résidence surveillée. Et par la suite, les Congolais oublient facilement. Ba Congolais ba bosana Antonov to bosana makamba ba élection résultat ya ba élection to bosana donc les Congolais aza chocho pour un jour deux jours par la suite ba bosana et après nous allons continuer d'il na biso voilà juste la petite information que nous avons reçu na ba source na biso et ba détail mususu ko ya sima parce que nous nous sommes parlé d'une façon rapide. Azalaki, excusez-moi. Azalaki occupé. Bamususu, quatre et autres m'ont promis de me contacter aujourd'hui ou demain. Donc, n'a rappelé Bango aujourd'hui et demain. Bazo tcha moi qui bosse na Bango, bazaba conseiller président. Bon. Il faut n'abonder la Bango parce que Bango va tout bazo pe sanga information. Mais na batan, il y a besoin d'information. Bon, quand même. Toza batutoko landara batuna simate et puis après ça biso information hein. Voilà. Parlons un peu juste pour quelques secondes ya makambu ya muyembe avec vaccin ya test ya vaccin ya corona. Na Madagascar le président ya mboka wana ont utilisé ba herbe moko je pense na Bosani Kombo nango qui aide contre le paludisme. Alors, chloroquine oyo bazali ko yebisa biso ezali pe médicament oyo et ko ki ko aider pe pour na paludisme. On utilise biso to mela ba chloroquine banivacine. To yebi o melika boye mukusa na nzoto partout. Alors, na niveau ya Madagascar bazui ba herbe wana ils ont utilisé ça, ils ont tester ça que Ezaliko aider pour contre coronavirus le président est passé hier moko na publicité déjà babandi ko kabulango ko prescrire ango na ba hôpitaux pour que batuba mela et bana avant babanda classe ba kotana na kirwana et voilà c'est l'OMS qui bondit pour dire non écoutez qui soit toyebi yangote. OMS d'abord.
kisiwana ya Madagascar ba testé yangote ba moni yangote bien que ba yebi ba herbe wana mais ba testé yangote automatiquement ba rejeté yango. Alors et c'est Muyembe qui sort qui dit non voilà kisiwana ya Madagascar na Congo boy utilisé yangote biso tozo zela vaccin o ezo uta dans Chine États-Unis ou bien na Canada. Donc Muyembe oyo na ebite si ya quelqu'un oyo akoyiko ko édiquer ye moke pour se taire un peu hein? Hein? Franchement on ne comprend plus rien na ba académique na biso. Il y a des ceux qui me disent bon Bruno Bozandenge moko ba professeur à Congo Bozandenge moko. Pardon, il faut m'épargner na ba histoire wana. Moi je ne suis pas un professeur fruit du Congo. Na lobango toujours naza professeur fruit du Congo té na tikala ko tangisa na Congo té et na R na tango na ke na ye na Koré ba diplôme na nga ya Congo ezala ki rejeté ba linga ko reconnaître yango té. Ils m'ont dit na en Afrique il y a pas d'université to reconnaître diplôme na yoté. Alors comme j'avais ce souci d'étudier, je suis rentré à l'université Natanga. Donc jusqu'à ce que na komi na suka ya étude na ngai, il y a pas un apport ya Congo na kati. Alors, il faut pas me mettre na clic wana que non ba professeur à Congo baza ba corrompi, bazali bla bla bla. Nga na tikala ko za corruption ya étudier à mon côté. Je ne suis d'ailleurs je ne suis pas fruit à éducation ya Congo yango komi singai na niveau oyo. Vous comprenez? Donc na mboka o nga na tangisi ba mboka o nga na zo tangisa corruption ezate. Na tikala jamais ko za corruption. D'abord ko bandango ndenge nini. Na ebité ko bandango ndenge nini, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc quand vous parlez des professeurs corrompus, bo chaka batumsu ba professeur musu na kate. Nous comprenons nos collègues du Congo. Ce qui va commande au niveau ya corruption, c'est parce que le gouvernement azo tcha bango na place na bango penzate. Salaire ezate, quelqu'un qui se déplace, un professeur qui habite Massina, il faut qu'il tanque sa université de Kinshasa. Alors, transport ezate, azana voiture te, bus ezate, nini ezate, salaire ezate. Alors, comment est-ce que le professeur ne sera pas tenté na corruption? Vous voyez? Donc, moi je pense que le gars comme Muyembe, il faut qu'on faire terrier. Et nous comprenons, na ba vaccin mususu tozoa banda kala depuis qu'il est devenu directeur ya INRB, tozoa yebate ba vaccin test les cas combien? Parce que à présent tozoa yeba makambo oyo parce que monde est commis à Haïti. Alors monde ya Haïti, tout le monde a une information oya lingi. Alors na moment où tozoa ki na ben accès na ben information anati. Combien de tests oh ba pesa biso to mona bana na biso ba koma ba infirme non akenda ki azui vaccin mwana zongi a komi infirme non akenda ko zo vaccin azonga boye mutu azo mwana zo mona suti non akenda ko zo vaccin azonga boye mwana zo yoka suti. Alors maintenant c'est une opportunité s'il y avait justice chez nous pour que ba meka un peu ko vérifier ko mener banquette pour savoir combien de tests de vaccins tests oui, zala ki ba yaki nango na mboka na biso. Oh my goodness. OK. Oh, désolé hein parce que na monete kati, qu'est-ce qui s'est passé? Je pas compris. OK. Voilà. Donc c'est par là tokoti kabino, ezra que juste moi information mukiwana, le lo moyen to zo attend ebelete. Nayaki pona tala soki shop ya mapa ezali na somba mapa. Ah oui, confinement. Hein? C'est ba para batu, il faut qu'on se sacrifie, hein? Il faut pas qu'on sacrifie bana. Bo ke somba mapa et bo sala boye non. Donc aux alibas responsables exacte le col à Félix qui nous a menti que non il va mourir pour la paix au Congo Banda prometta biso il va mourir pour la paix à l'est du Congo jusqu'à présent Félix Azoku Fakate
Donc, on comprend pas. Donc, d'ailleurs, Félix, c'est ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait, hein. Alors, toujours moi, on a ma photo, Oyo, il y a rencontre. Il y a Félix, monsieur Corona, et puis, Kabila, monsieur Ebola. Tu y a IDPS, beau-frère, Nangaï, Naba Milouvor, qui disent, bon, voilà, Félix, Ayebisi, Kabila, Fukama. Non. Il y a une vidéo, d'ailleurs. Bon, remarquez que dans la vidéo, il y a, na batu, oh, bah, ça, l'analyse, vous allez voir, il y a crise de confiance, hein. Parce que, hier, Félix a eu Zéla, Kabila n'a porte pour Ayambaye. Président de la République, hein. A eu n'a porte pour Zéla, y'a pour Ayambaye. Alors, Bakoutani, Félix, a l'équi, na kati, na couloir, Kabila na sima. Après, Félix a l'équi, si Kabila, a kota na salon. Alors, elle a kota na salon, Félix a l'équi, Félix dit na, ma geste, vous allez voir, dit na Kabila, vanda esika nyonso lingi kotoyo bien kotoyo vanda esika nyonso lingi, vous comprenez? Donc en réalité, ce qui président yambi mutu oyebo pesani mbote siko mbote za soute président d'abord visiteur na yo ba memie na protocole ero koti le président est déjà debout na kiti na ye place ko vanda. Alors visiteur na yo aye o lakisi esika place ko vanda, mais avec Félix bon, crise de confiance, ayebisi Kabila, maboko azotia, vanda koto, bien vanda koto yo, choix na yo. Alors, Félix a tomboli maboko, ba milouvor, ba kangi, photo juste place a tomboli maboko, pour dire que, bazo sambela. Alors, Félix a tourné, Kabila a poni place a ko vanda, et Kabila bandai ko vanda, ba kangi cliché pour dire que, parce que a gumba mi pona ko vanda, il faut okita, pour dire que non, voilà, Félix a yebisi Kabila a Fukama. Donc, il ne peste au yebite. Ba beau frère Nangaï, vous êtes comment? Hein? Kadiosha, à tout moment Kadiosha. Hein? Et pour Tosukisa, le chauffeur de Félix vient de mourir. C'était avant-hier. Monsieur Kadima, à Koufi. Et vous allez remarquer que Batounio se bat combo. Donc, c'est comme si chez Félix, il y a que des Kadima, des Ilunga, des Ngoi, des Chimanga, des Mukendi. Donc, batu nyoso bazo kufa ba kombo na bango yangwana. Kadima, Ilunga, Mukendi, Chimanga. Chimanga, kutu le kaki ye kakaboye. Donc, ye, mikolo, il faut ça la fête, hein, parce que poison en a vraiment, vraiment na yebite, hein, parce que il semblerait que aza président et équipe. Ba président ba équipe ndenge kimbuta zaraki ba ke nagai pa ya mort mort. Donc ye vidé tu mangaza biloko a mort mort, hein, parce que poison ane leki ye penza, bien que nanda kuna ye kuna komi vraiment lokola quelqu'un waza atteint na virus ya sida, azolinga soko bimana public te, parce que ndenga fané vraiment c'est regrettable. Et il a de la chance, hein, parce que ces poison vraiment ameleki yango mingi te. Ameleki mingite. Bon, aza grand chekulera, ye ba je wana ye ba ango très bien peut-être ameleki muki, pona ko satisfaire kamere. Bon, voilà. Merci beaucoup mes chers amis, nazan anzela, nasomba lipa. Non, prof pe asomba lipa. Hein? Biso za ba prof te oyo kimobutu, hein? Nandaku to salaka misala. To kombola andaku, te daka mama, to sukula kandaku, to sukula abasani, voilà. Donc on n'est pas orgueilleux, hein? Voilà. Et on me demande ce qui est avocat camerounais, mais l'avocat là, vous voyez très bien, avocat wana azali d'abord quelqu'un qui a été arrêté, condamné na tribunal à Yaoundé pour 3 ans pour na usage faux et usage de faux. Et Mutuana Azali, un expert na Shekul. Donc, c'est un grand Shekulaire. Bon, vous voyez, en Afrique, Aza avocat, un grand avocat. Ma famille na ye, grand frère, petit frère na ye, non, grand frère na ye, proche de Kagame, il a travaillé avec Kagame. Et ye mokope na Kagame, ils ont travaillé. C'est Kagame qui a recommandé, monsieur Akere, Manu, et pas ya Félix. Donc, voilà.
na IDPS mobimba kabeka mwanga mobimba IDPS mobimba ba miluvor nyoso juriste azate po Félix a nommé conseiller juriste moko azate. Voyez-vous comment est-ce que Félix azo traité bino? Donc pour Félix, vous ne représentez rien. Boyaka ka lolenda pa mapamba biso atotanga le juriste IDPS kabeka mwanga le premier juriste ya Congo, docteur en droit ya Congo, toyebi droit tozana ba avocat ba juriste, tomona ba juriste moko na. Quand j'ai parlé de l'histoire de réfugiés, on a vu des juristes de l'IDPS hein, na Suisse, na France, na Belgique. Non monsieur, moi je suis un juriste, je connais les droits. Quel droit vous connaissez? Et maintenant votre Félix cherche un juriste pour le conseiller. Voilà, il va au Cameroun. À quel ou juriste na Cameroun. Donc c'est pour vous dire, vous ne représentez rien. Donc toyebi d'ailleurs Babo frère nanga bazal le premier na Congo na usage de faux. Hein, bazal le premier. Babo frère na biso so lingi même diplôme à doctorat, ba collection diplôme à doctorat à Félix azanango. Hein? Vidye chimanga za diplôme à doctorat. Vidye chimanga tanga wapi? Atanga wapi diplôme à doctorat zwilango wapi? Vous comprenez? Donc pour na kolak sabino ke yemoko votre chef notre idiot national il connaît très bien na kata IDPS na kabeya kamwanga na entourage na ye ba miluvor nyoso ya personne qui est juriste. Le vrai juriste oazala ki na ye ye wana caméra les ye poison maître Mukendi est parti. Et maintenant pour remplacer maître Mukendi, il faut aller au Cameroun. Il faut que Kagame les recommande. Alors, makere la pamba pamba, nous sommes des juristes totanga mingi kaka bakanzaka. Hein? Siko yo, voyez-vous? Bon, merci beaucoup et au revoir mes chers amis, ifuna nazonga. Merci. On se revoit prochainement ceux qui base nabiso batindi ba information. On va se voir. Ah, cette histoire, ça se ferme comment?